Voici l'établi, c'est ici que tu peux confectionner des objets. D'accord, ok. Oh, c'est Minecraft. Je vais te donner quelques ressources, c'est pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve. De plus, grâce à l'argent que la chef des corps t'a donné, tu devrais pouvoir t'acheter une belle tenue par exemple. Une fois que tu as l'établi, il te suffit de sélectionner Pokéball, vas-y, essaie. Alors, salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette deuxième rediffusion de live de Pokémon, enfin de Légende Pokémon Arceus. Et on va essayer de confectionner des objets dans cette partie, et je pense peut-être capturer d'autres Pokémon, on verra bien. Alors, on a un Noigrume. Alors, pour faire une Pokéball, ah oui, d'accord, il nous explique. Ok. On a besoin d'un Noigrume et d'un Galet. D'accord. Allez, j'en ai 21 dans le sac et 20. D'accord. Ah, génial. Bah écoutez, on va en confectionner 20. Non, 10. 15, allez. Ah oui, c'est facile. D'accord. Ok, l'art de la confection. Pour un premier essai, c'est du beau travail. Quel magnifique Pokéball. Comme je te l'ai expliqué, les Pokémon possèdent un don mystérieux qui leur permet de devenir minuscules. On peut alors les attraper grâce au Pokéball qui tire profit de ce pouvoir. Et une fois les Pokémon capturés, ils sont répertoriés dans le Pokédex que voici. Et j'obtiens le Pokédex! On l'obtient tard hein, par rapport au jeu traditionnel. Ah ouais, trop stylé. Ah ouais, mais attendez. Du coup, il va être un peu à l'ancienne, quoi, avec des photos. Spécimen attrapé un fois où l'espèce a utilisé Aquajet. Ah ouais, toutes les stats! Pleine obsidienne n'habite pas ici. Attendez, non, là je suis sur Togepi. Par exemple, Kenotor. Ouais, colline ambition, ok. Waouh! Ouais, ça passe au. Ah, région de Hisui, et après, ok. Ok, c'est top. Je l'ai préparé rien que pour toi. J'aime bien ce côté papier comme ça. Bon, après, on a toujours le Smarkeus, mais. Oui, et si tu veux le compléter, tu vas devoir accomplir les tâches Pokédex. Je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consistent les tâches Pokédex. Pour ça, rendons-nous au bivouac des plaines, Arnaud. Ok, allons-y. Ah, c'est un jeu tranquille, hein. Ça c'est cool. J'aime bien. Pyrux va faire le jeu demain, d'après ce que j'ai vu. Demain à 15h, je crois. Puisque tu te rends au bivouac des plaines, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Comme je dois monter la garde devant le siège, je ne peux pas trop m'éloigner de mon poste. Donc reviens me voir ici si tu veux bien m'aider. Ok, c'est une mission de secondaire. Une quête annexe. Ouais, vas-y, allez. Dis, tu connais un Pokémon appelé Chenipote? Bien sûr. Il y a un procédé qui s'appelle l'évolution. C'est le professeur Lavande qui l'a dit. Une partie des Pokémon peuvent évoluer, ce qui modifie leur apparence et leur stats. Si vous avez rempli les conditions permettant à un Pokémon d'évoluer, vous aurez accès à l'option faire évoluer. Ah, c'est cool ça! C'est nous qui choisissons quand le faire évoluer. Oh, mais ça, c'est tellement bien. Ça, il devrait l'intégrer dans les jeux classiques, en fait. Parce que... Ok, genre, il évolue au niveau 16, par exemple, n'importe qui. Hein. Mais qu'il ne propose pas à chaque fois d'évoluer, quoi. Bon, si je trouve un Chenipot, pourquoi pas. J'aime bien mon accoutrement. J'aime bien. C'est le prof Shen qui crée le Pokédex électronique. Ah d'accord. Tu sors du village, fais attention à toi. Dommage qu'on peut pas aller, genre... Pourquoi je peux pas courir jusqu'à l'endroit? Peut-être qu'après on pourra le faire, peut-être que là... Je sais pas. C'est étrange, non? Ça fait comme dans Colosseum ou XD. Bien, où en étions-nous? Ah oui, tu vas devoir accomplir des tâches si tu veux compléter le Pokédex. Tu peux le consulter pour voir tout ça en détail. Alors, vous devrez accomplir des tâches Pokédex, c'est des tâches à accomplir différentes fonctions de Pokémon à étudier. Fixer un Pokémon en maintenant, nana, à ouvrir le Pokédex pour consulter instantanément les tâches
Pokédex du Pokémon ciblé. Bah, comment on fait ça? Ah, en maintenant le bouton ZL? Son regard. Je vais t'enseigner une chose importante, hein. Alors écoute bien, Arnaud. Quand un Pokémon sauvage t'attaque, tu dois essayer de l'esquiver. Ah, putain. Mais il y a un temps d'attente, j'ai pas vu. Regarde bien ce que je fais, essaie de m'imiter. Hop. Waouh. Elle se jette au sol, elle fait une roulade. Alors, ça paraît tellement simple dans les jeux vidéo, mais tu fais ça en vrai, tu te fracasses. Hein. Ce déplacement aussi fluide qu'élégant, voici ce qu'on appelle une esquive. Si tu esquives rapidement, tu pourras éviter les attaques des Pokémon. Leurs capacités sont puissantes et ils peuvent t'assommer s'ils te touchent plusieurs fois. Croisant ma malheureuse expérience. Une fois, je me suis évanoui après avoir été foudroyé par un Lixie. Le corps de la défense a dû venir à mon secours, c'était si gênant. Mais ne t'en fais pas, je vais t'aider du mieux que je peux avec mes connaissances. Ok. Bon, si tu peux m'enlever mes sacs de pommes de terre que j'ai au pied, ça me permettra d'aller un peu plus vite peut-être. Bon. Colline Ambition. Voici quelques conseils adressés aux membres du corps des chercheurs. Si tu fixes un Pokémon avec ZL et que tu appuies sur le bouton bas, tu ouvres le Pokédex. Ah voilà, le bouton bas aussi. Grâce à ça, tu peux facilement vérifier les tâches. Ok, on va essayer avec ce Kunotor là. Grâce au bouton X, tu peux alterner entre objets et bol de partenaire. Ouais, ça je crois que je le sais. Ok, alors on va essayer avec ce Kunotor. Donc, ZL et bas. Ah oui, en fait, oui, ça cible le Pokémon, quoi, tout simplement. Donc, attendez, tâche Pokémon liée à Kunotor. Spécimen poids lourd attrapé, spécimen vaincu. Ah, d'accord, je comprends. Oula. Je comprends. Spécimen vaincu. Alors, on peut, à la limite, en attraper un. Donc, X, ok. Tac. Et il faut lâcher après, hein. Donc là, combat. Ok, donc on va en mettre un KO. Un quad... ouais, il est pas où, c'est bon. Ah, il attaque pas. Oh, le pauvre. Oh, c'est de la maltraitance, ça. Hein. C'est pas juste, quand même. Hein. Ah non! Fois où l'espèce, elle vise à Quadjet. Alors, attendez. Donc là, il a fui. Ouais, non, mais ça fait rien du tout. Ah non, pourquoi il a fui? C'est pas vrai, ça. Ah, il y en a un, là. Non. Attendez, est-ce que charge fait plus? Je pense pas, hein. Non, ça fait... Enfin... On va faire deux fois charge. Et ensuite Aqua Jet. Yes, c'est bon. Ok. Spécimen vaincu. Donc là, on a le truc. On en a un. Pourquoi c'est en rouge à gauche? Je comprends pas. Vous avez attrapé un spécimen, ouais. Vaincu 1, ok. Spécimen poids lourd attrapé. Bon, est-ce qu'il y a un gros Kunotor là, dans les parages? T'as un gros Kunotor toi? Mais c'est vrai que j'ai Lixie aussi, hein. Je sais pas, enfin, j'en ai d'autres. Mince, il prend la fuite. Attendez, il faut que je le... Ah, poids lourd attrapé. Je peux aller n'importe où ou Lucia, elle m'empêche d'aller voir ailleurs. Tiens, on va faire ça. Mince. Ouais, voilà. Oh, le bruit de Zelda. Ils ont pris le même. Oscar! Non, c'est pas Oscar.
C'est Oscar Bis. Bon, je sais pas si c'est bon, hein. Est-ce que ce qui est en rouge, c'est pas ce que tu dois faire en premier? Peut-être. Ah, une tâche consiste à attraper un Pokémon sans te faire repérer, n'est-ce pas? Pour ça, tu peux te cacher dans les hautes herbes, comme je t'ai. Ok. Essaye d'accomplir quelques tâches. Non, le jeu lag, c'est moi. S'il y a des sacs. Ça saccade un petit peu. Ouais, ça saccade un petit peu. Bon, attendez, si je fais ça, est-ce que ça continue de saccader ou pas? Je vérifie juste. Non, ça saccade plus. Bon, on va rester sur ça. Alors. Ouais, alors. On va s'accomplir. S'accroupir. S'accroupir. On va s'accoupler. Alors. Non, c'est pas ça que je veux. C'est voir le Pokédex. Ok, ça marche. C'est qui déjà? Étourmi. Spécimen attrapé 1. Bah j'ai déjà fait, après je peux peut-être faire 3. Ah, spécimen attrapé sans qu'il vous repère. Bon, là il m'a repéré là. Non! Oh ok. Ah ouais, il attaque! Mais attendez, j'attaque deux fois? En fait, il a attaqué avant moi. Ok. Il a attaqué avant moi. Non, 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 non. Ah oui, du coup, oui, je peux le sortir comme ça, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre Nixie. Juste pour voir ce qu'il a comme. Comme attaque. Ah, il a que vive attaque. On peut les renommer. C'est vrai qu'on peut renommer. J'avais oublié. Je sais pas trop comment l'appeler. Reviens! Comment on fait pour le rat? Mince. Ah, je peux sortir tous mes Pokémon. Peut-être qu'il faut revenir dessus. Oh, punaise. Je vais y arriver. Ah ouais, ok. Ok. Donc, sans être repéré. A priori, là, ça devrait être bon, non? J'ai pas été repéré. Attendez. Sans être repéré, mais... Spécimen... Ah, attrapé! Attrapé, donc il faut que je lance une bolle. Est-ce qu'il y a un petit étourmi, là? Je les ai tous fait fuir, c'est pas vrai. Ah non, là. Oh, je suis un peu loin quand même. Là. Yes! Ok, attrapé. Voilà, spécimen attrapé sans qu'il vous repère. Ok. Deux. D'accord. Spécimen vaincu. Game over. Ah, là-bas, il y en a un autre. Il faut juste que j'en vainque un. Mince. Non. Waouh! Soignons? Qu'est-ce que c'est que ça? Reviens! Non! Ok. Bon. Ah, oh, punaise! Mais attendez, c'est trop. Oh, Chenipoto! Référence à 6 volts, bien sûr. Est-ce que tu peux te laisser te faire mettre KO ou pas?
Ouais, t'es sur tes gardes. Ok, normalement ça devrait le faire. Peut-être que pour nager, il faut une tenue particulière. Ok, j'ai vaincu les tourmis. Alors, attends, non, non, non. Attendez, j'ai vu Chenipote là. On va essayer de l'attraper. En fait, le truc, c'est que s'il s'enfuit de la Pokéball. Ouais, mais il peut s'enfuir là aussi en fait. Aqua Jet, c'est drôle. Ah, est-ce que ça met. Oh, c'est... Non, c'est bon. Ok. Allez, objet. Utiliser. Est-ce que ça vaut plus le coup de l'attaquer et ensuite l'attraper ou de lancer une Pokéball directement? J'imagine que c'est mieux de l'attraper. De l'attaquer. Bon, cool, j'ai Chenipote. Ah, oh, bon, il y en avait un autre là-bas. Bon, c'est pas non plus. Truc de fou. Où est Lucia? Oh, Mister Boué. Voilà, on a Oscar. Si tu vois un rocher qui brille, tu devrais envoyer un de tes Pokémon partenaires le détruire. Ah, ok. Ah, ça, c'est un rocher qui brille, ça. Ouais, c'est un rocher qui brille. Oh, poussière d'étoile, génial. Génial, génial. Alors, changeons. Mince. Chenipote et Tourmi. Vas-y, on va envoyer Lixi pour... Ok. Le taux de shiny est abusé. Bah d'après ce que j'ai vu, c'est 1 sur 4096. Ah, il a appris éclair, ça c'est cool. Ah. Bah autant l'attraper, hein. Clairement, autant l'attraper. Ah mince. Bah alors. Qu'est-ce que tu fais, Mister Boué? Yes, c'est bon. Spécimen attrapé, boule de boue. Ok. Ah, attendez, on a un soignon là encore. On dirait le truc de Canartichaud. Soignon. Ah, là on a l'arbre. Ok, c'est bon, ça commence à venir. C'est assez bien fait de juste envoyer sur le l'arbre. Il comprend en fait, il doit récupérer tout ça. Où est-elle? Ah là! Mais attendez, elle était là, je l'ai même pas vue. Il y a des mustébouées qui vivent dans le coin. Heureusement que genre je les ai pas tous capturés avant, sinon ils seraient pas apparus. Comme les Lixis, ils ont tendance à être agressifs, n'hésite pas à attaquer. Alors fais attention. Ouais, bon, je l'ai déjà attrapé. Si vous subissez un grand nombre de dégâts trop rapidement, vous vous retrouvez dans une situation critique. Et les bordures de l'écran deviendront rouges. Vous récupérez de la vie à mesure que le temps passe. Si vous subissez des dégâts alors que les bordures de l'écran sont rouges, vous, une situation que vous perdez connaissance. Ok. Bon, on va voir. Hein. Alors. Bon, on va quand même éviter de se faire. Non. Ah. Non. Alors, Mustéboué, spécimen attrapé. Ok. Non, en fait, en rouge, c'est ce que j'ai fait. Bah. Non. Oui, je sais pas. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Spécimen vaincu, spécimen vaincu, je l'ai pas fait. Bon, autant.
Oh punaise. Ouah, je l'ai pris par surprise. My god. Allez, éclair. Paralysie, oui. Ça y est, on voit le pour la première fois. Ah, il a été pris par surprise, du coup, il veut plus bouger. Ok. C'est un peu traître, c'est lâche quand même. Mais dans ce jeu, visiblement, c'est important d'être lâche. Ok, bon, je pense que c'est bon. Voilà, des connoisseurs. Je sais pas si on peut se balader où on veut. Vas-y, récupère-moi ces baies, toi. En plus, il revient automatiquement, c'est génial. Les Poké prennent des niveaux juste en faisant des petits trucs. Oscar! Des Pokémon très puissants et extrêmement dangereux, Rod. Crois-moi, c'est pour ton bien. Et si je plonge? Je meurs du coup? Wow! Tu veux te battre? Tu veux te battre? Let's go! Vive attaque! D'accord, il attaque pas. Éclair. Ok. Et qu'est-ce que j'ai pas fait avec lui? Je sais plus. Ok. On va prendre les soignons. Soignons, ça me fait penser à moignon. Je connaissais pas du tout le mot soignon. Même dans un jeu Pokémon, j'en apprends. En vrai, j'ai appris pas mal de mots grâce à Pokémon. Enfin, surtout à l'époque quand je jouais au jeu à Ruby en anglais, quand j'étais petit, à 10 ans. Et j'ai appris plein de mots, genre cascade, fatal foudre, tout ça, je me rappelle. Et après, je les sortais en cours. Genre cascade, waterfall, thunder, et je disais genre fatal foudre, donc la foudre, je me disais bon, thunder. Après le tonnerre, thunderbolt. Ah, ça m'a bien aidé, ça. Cut aussi, les... Enfin, ouais, quasiment toutes les attaques. Ça, c'est vraiment les trucs que... Ça m'a bien aidé. Mais je jouais sur émulateur à l'époque. Y'a pas moyen de voir les objectifs quand t'es en combat. Bah, je sais pas. Ta persévérance m'impressionne. Tu devrais capturer 3 chenipotes, un pour le cas, un pour le garde, et les deux autres pour Blindalice et Armunis. Ouais, parce qu'en fait, il faudrait quand même remplir le Pokédex. Qu'est-ce que tu as raté? Bah écoute, j'ai pris mon starter qui est Moustillon. Et puis là, je suis un peu dans la partie tutoriel, c'est-à-dire que voilà, je sais maintenant comment confectionner des objets, comment attraper des Pokémon, comment les combattre. Voilà, voilà quoi. Et un soignon. Ok. Alors, tu avances bien sur ta touche Pokédex? D'ailleurs, sur la couverture de Pokédex, tu peux vérifier si c'est des tâches pour lesquelles tu n'as pas encore fait ton rapport au professeur. Ah, attendez, tâches non rapportées, 18. Ouais. Attendez, tâches non rapportées, 18. D'accord. Procéder indéterminé. D'accord. Bon, il faudra que j'aille lui rapporter le truc, en fait. Lorsque tu termines les tâches Pokédex, n'oublie pas d'aller faire ton rapport auprès du professeur. Ok. Ouais, donc du coup, les chenipotes, vous m'avez dit, ouais, c'est vrai que c'est mieux d'en capturer plusieurs. Moi, j'en veux juste qu'ils me courent pas après, en fait. C'est juste ça qui me fait un peu peur. Ouais, on mettrait Tourmi. Alors, est-ce que les Pokémon chromatiques, on peut les voir comme ça? Est-ce qu'on peut sauter d'ailleurs? Pas sûr. Hein. Oula!
Oh, la musique, elle a changé tout d'un coup. Je suis resté perplexe. Est-ce que les shiny, on les voit comme ça? Est-ce qu'on peut sauter? Deuxième question. On peut pas sauter, ok. Donc en gros, je peux pas aller là-haut. Ah, si! Et les roulades, attendez, c'était comment déjà? Non! Attendez. Roulade. Commande. Courir. C'est esquiver, pardon. Y. D'accord. Ça, ça veut dire que je suis vu en fait. Ok, cette musique. Ok. Oh, des Evoli! Enfin, un Evoli en tout cas. Alors attendez, lui il faut pas le rater par contre. On va essayer. Oh, Ponyta! Non, ne t'enfuis pas, mon gars. Par surprise là, non? Non. Oh non! Comment ça il prend la fuite? Mais c'est pas juste qu'il puisse prendre la fuite comme ça, sans aucune raison. Ah, je suis trop loin. Ah, elle entend! Enfin, elle. Ou il, hein. Ponyta! Non! Mais attendez, il y a une solution pour pas qu'il fuit. Bon, à part faire... Mais non, je peux même pas attaquer, en fait. Mince, je me suis loupé. Ah! Il a cassé quand même. Ok. Je regarde un peu ce qu'il y a, hein. Vous m'excuserez. Ah, c'est un Ponyta, ok. Yo Arnaud, je passe juste faire un petit coucou, j'ai pas encore reçu le jeu donc je veux pas trop me spoiler. Ah ouais, JS, y a pas de soucis. Ça a l'air... Franchement, c'est bien là pour l'instant. C'est bien. Mais ouais, profite bien quand tu auras reçu le jeu. Mince. Ah, non, il comprend. Oh mais qu'est-ce qu'il est malin. Qu'est-ce qu'il est malin. Allez, combat. Je vois même pas mon Pokémon, il est où? Ah, il est là, ok. Non, non, pas le poison. Oh, punaise. Écoutez, on va envoyer une balle, ça va le faire. C'est mieux de juste lancer les balles en étant caché. D'accord, ok. Spécimen ne pourra plus m'attraper. Ok. Donc vous me conseillez de... Ah mais oui, pour pas qu'il fuit. Ah ouais, pas bête, pas bête. Non. Reviens là. Oh, c'est abusé. C'est grave abusé là ce qui vient de se passer. Mais quand on le cible. Ah ouais, il faut appuyer sur Z. ZR. Yes! Cool. Elle avait une béfrève. Allez, l'arbre. Pour les shiny, vous m'avez pas dit ou sinon j'ai pas vu. Est-ce qu'on les voit comme ça ou est-ce que c'est en l'attrapant? Non, moi je reveux Evoli en fait. Est-ce que...
Est-ce que c'est bien là de... Non, 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 non. Reviens là, toi. Les chenilles apparaissent sur le terrain comme Let's Go. D'accord, ok, merci Spade. Waouh. C'est dangereux ça, non ou pas? Ce galopin est dangereux? Tu ne pourras pas le choper. N'y va pas. Ouais, c'est ça, j'ai un peu peur. Hein. Enfin, je voulais pas choper, je voulais juste attaquer, mais. Je pense que. Putain, cette musique! Le piano là! Ça, c'est incroyable. Bon, j'y vais si on me répond pas. Ah, désolé, je sais pas ce que c'est. Ce qu'était ta question. Si tu t'approches, tu vois une croix rouge sur le Pokémon. Ah oui, c'est quoi ça déjà, la croix rouge? Ah oui, la croix rouge. Ça veut dire que ton rang n'est pas assez haut. Ah d'accord. Mais donc là, mon rang n'est pas assez haut pour affronter celui-ci? Putain, il va attaquer. Bon, au pire, les Pokémon que je... Pour le Pokédex, je peux faire ça en off. Parce que je pense que je jouerai en off. On va continuer avec la quête. Ou que le Pokémon t'a vu. Ah oui, d'accord. Allez. Ok. Ah mais oui, le professeur il est là, c'est vrai, j'ai oublié. Ah, je peux acheter des objets aussi à l'autre. Dans la croix, c'est juste qu'il faut le combattre pour pouvoir l'attraper, car il t'a vu. Ah, d'accord, ok. Les rapports de recherche permettent de gagner de l'argent en fonction du niveau et du nombre de Pokémon capturés. Vous obtiendrez une somme plus élevée si vous remplissez certaines conditions. Ok. Donc moi je suis membre 0 étoile. Hein. Ok. Comme Pokémon Snap à la fin dans les récompenses. Je vois, tout ceci est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec ces nouvelles informations. Ok. Atteignez le niveau 10 pour compléter la page d'un Pokémon, obtenir toutes les informations sur ce sujet. D'accord, oui, c'est vraiment nous qui remplissons le Pokédex, mais plus en détail par rapport à avant, quoi. D'accord. Du coup, le dresseur a des PV par logique. Ben, je pense que c'est pas vraiment. Je dois être une jauge de vie. Il n'y a pas forcément un nombre de PV, je pense. Enfin, je pense pas qu'on puisse. Quoique, peut-être qu'on peut augmenter notre résistance aux attaques avec une armure, peut-être. Tu devrais bien te préparer avant de partir faire des recherches. Que veux-tu faire? Ah, me reposer, tiens. Je sais pas, un petit moment. Est-ce que ça soigne les Poké? Ok. A priori, oui. D'accord. Ok. Faire des achats. Bon, je peux soit les confectionner, soit les acheter. Ça, j'en ai combien? J'en ai 5. Ok. Ah, il y a des rappels. Et à pâte. Lorsqu'on mélange cette boule nutritive à de la nourriture, elle dégage un parfum appétissant. Ok. Bon, vas-y, on va en acheter 5. Ouais, on va peut-être acheter 5, ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup. On a acheté deux. Et les bols, il m'en reste 20. Ok. Ok. Et du coup, continuer les recherches. Attendez, les missions, c'est ça? Non. Ah oui, c'est moins. Mission. Début des recherches et tâches Pokédex. Ok. D'accord. Je crois que le professeur Lavande a mal à la tête avec son bonnet. Attendez, fais voir, j'ai même pas fait attention à son bonnet. Ah, mais il a une appâte. Bah non, son bonnet il est très très bien. J'en avais un comme ça, un peu avec le pompon, bon, pas aussi gros. Ah, mais vous pensez que c'est ses cheveux, ça? Ah, mais c'est ses cheveux. C'est ses cheveux? Je sais pas. Tu joues sur la Switch OLED? Non, je joue sur la Switch classique. Ah, sur la Switch OLED, ça doit être plus joli, non? C'est ça? Les. Oh, la musique! Tin, 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 tin. Enfin, je sais pas, ça me rappelle ça en tout cas. Genre la musique de la bibliothèque à Joliberge. Je crois. Donc il faut continuer encore à faire des recherches. Bah écoutez, j'ai fait pas mal de choses là. Mais si je peux trouver un Evoli à nouveau. En fait, je suis toujours vu là. Ah, c'est bon. Valferrache. Ah, il m'a pas. Il m'a pas genre. Autorisé à voir une autre nouvelle zone. Merci Axel. Merci à tous ceux qui me souhaitent de passer un bon jeu. Merci à vous. Esquiver, ouais. Toi, tu dis quoi, Oscar? Oscarette. Si tu es trop épuisé. Ok. En fait, c'est juste des conseils. Oh! Ah non, mais là-bas, ça brille, c'est juste. Eh, le temps passe, hein? Zut. Oh, il a compris, il a compris! Oh, il me fait tellement peur. C'est un truc de fou. J'ai trop peur dans ces trucs-là. Dans ces moments-là. C'est beau quand même. Bah écoute, c'est beau, mais pas transcendant. Vraiment. Vraiment. Mais ça reste. J'aime bien les effets, les sons, les couleurs. Ouais. Après. Enfin. Ouais. Bref, je suis quand même content. Le concept est vraiment original et ça, c'est cool. J'ai pas trop compris ce qu'il faut faire en fait. Il faut continuer. Je suis vu par qui? Ah! Par lui! Il est où? Ah ouais, regardez, en fait, c'est qu'il m'a vu. Du coup, ça veut dire. Pas trop ce que ça veut dire. Ouais, attendez, je suis vol là. Bon, après moustique. Ah non! Attendez, comment on fait pour changer de Pokémon? Ah oui, Pokémon.
Est-ce qu'il va faire une attaque Bon, on va rester sur... sur Étourmi. Il est normal vol, donc c'est stabé. Le temps n'a encore pas l'heure de la Switch. Ben, je sais pas. J'ai pas l'impression, hein. Regardez, il y a le collègue Lixi qui encourage. Ah, mais il y en a deux ? Quoi ? Ah, mais moi, je croyais qu'il était juste là pour faire joli. Pour encourager son... son ami. Ah ouais ! Peut-être que je pourrais le capturer, peut-être qu'il est poids lourd, lui. On va voir. Galopa, les yeux rouges, ça veut dire que ton niveau dresseur n'est pas assez haut. Ouais, mais il me semblait que dans le trailer, on voyait d'autres Pokémon avec des yeux rouges et... Enfin, je sais pas. En fait, ça rappelle un peu Pokémon Go où il faut capturer... Enfin, où tu peux... Enfin, non, soit dans le jeu normal aussi, tu peux capturer plein de Pokémon, mais... Mais là, pour les quêtes, il faut en capturer plusieurs. Je peux monter là ou pas? Ah ouais, génial. Un soignon. Ah, c'est le bivouac. Mais il est où le professeur? Ah, disparu. Vas-y, mais on va pas faire ça toute la vie, non? Ok. On va retourner au village. Très bien, dans ce cas, retour au village, pas de panique, le corps de la défense va t'y escorter. Ok. Bon, je pense que c'est pas mal pour un début. Rusticité. C'est pas mal pour un début. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vais essayer d'arranger mes problèmes de connexion, parce que là, je prends ma 4G et bon, c'est pas le top parce que je paye. Mais je vais voir si je peux trouver un endroit en bas pour faire ma vidéo. Avec une meilleure connexion. Je voulais juste voir un peu ce que donnait le jeu. Il est 16h16. Peut-être que ce soir... Soit ce soir, soit demain, je fais la suite. Ouais, peut-être plutôt demain, je sais pas trop. En tout cas... vous pouvez voir sur le... Enfin, vous verrez s'il y a une notification de live. Sinon, je le préciserai sur Twitter et Instagram. Du coup, n'hésitez pas à me suivre. On t'entend plus. Ah bon? Comment ça, on m'entend plus? Allô, allô? Oui, on m'entend. Pourquoi vous me dites on m'entend plus? La rediff, je vais la mettre quasiment instantanément. Je vais voir, peut-être qu'il faut que je modifie un peu. Et voilà, je vais essayer de résoudre un peu les petits problèmes et je vous dis à bientôt. Et amusez-vous bien sur le jeu si vous l'avez ce soir. et merci à vous d'être passé sur ce live. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ah oui, et mon Twitter, c'est Crocaille, C-R-O-C-K-I-L-E. Et Instagram, c'est Arnaud Agapé, A-R-N-O-A-G-A-P-E. Voilà, allez, ciao.